Cette première vidéo sur l'éditeur No Limit, nous allons donc voir comment l'on peut utiliser cet éditeur en commençant par regarder donc les setups du programme. Alors on clique à cet endroit. Ici on a déjà en premier, vous voyez tous les contrôles qui sont disponibles donc dans ce logiciel avec les raccourcis clavier. Ici, on a la partie son, donc on peut augmenter ou diminuer la musique ou bien le volume du son. Ici, on a le display, c'est une chose qui est assez importante. On peut faire full screen et choisir ici une définition. Vous voyez que l'on a beaucoup de possibilités différentes. Dans mon cas, je fais full screen, je désélectionne full screen. Ici, on a le détail. Donc le rendu final de votre map ou de votre montagne russe. Donc on a la qualité des textures. Ici on a les ombres en temps réel. La qualité des textures, donc au minimum ou au maximum. Ceci dépendra de la puissance de votre ordinateur. Ensuite ici, aux airs, eh bien on travaille en métrique par exemple. Vidéo export, ce sera l'endroit où vous allez exporter votre vidéo, qui va être défini ici avec un preset. Donc vous pouvez choisir différents presets et ceci dépend aussi donc de la version standard ou la version professionnelle. Là vous avez le format donc MOV PNG ou bien d'autres formats qui sont à disposition. Là ceci concerne les possibilités de faire un screenshot, donc de faire une image donc d'une séquence. Une fois que les setups sont définis, on peut aller sur le bouton play. On ouvre à ce moment là la librairie avec les différentes maps, plus exactement les différentes montagnes russes. Alors ici j'ai une version professionnelle, donc j'ai beaucoup de montagnes russes à disposition. Là je peux donc jouer sur la grandeur de l'icône, donc j'aime bien avoir une grande icône. Alors ici, on a différents répertoires, le système, ce qu'on a fait récemment, par exemple. Vous voyez, là, j'ai créé déjà un nouveau parc. Donc, je clique sur librairie et je choisis une map pour lancer un exemple. Alors, je lance cet exemple. Alors ici, ça va mettre un petit moment pour charger dans l'éditeur. Une fois que le fichier parc est chargé, vous vous retrouvez obligatoirement dans une voiture, donc de la montagne russe. Alors, il y a plusieurs possibilités qui nous sont offertes. La première chose, si j'appuie sur la touche P du clavier, on est en mode pause. Donc on peut faire pause on, pause off, ce qui nous permet d'avancer ou de bloquer donc la simulation. Maintenant, autre chose, si l'on veut se déplacer dans les voitures, eh bien il suffit d'appuyer sur la touche C du clavier, vous voyez, pour aller choisir donc la rangée de voitures. Ensuite, si vous êtes dans une rangée de voitures et que vous appuyez sur la touche V, vous changez de siège. Maintenant, si l'on appuie maintenant sur la touche P, eh bien on va lancer donc l'animation. Une fois que vous avez lancé l'animation, vous avez la possibilité d'accélérer ou de diminuer l'animation en appuyant sur les touches plus ou moins du clavier. Donc plus on accélère, moins on va ralentir. Maintenant, une autre possibilité consiste à changer de train en cours de route. Alors, on peut changer de train en appuyant sur la touche T du clavier. Car en ce moment, on a deux trains sur la montagne russe. On a même un troisième train qui attend dans la gare. Un qui monte, un dans la gare et un qui circule.
Si par exemple vous avez un parc avec deux montagnes russes dans le même parc, on peut choisir avec la touche F5 la montagne russe sur laquelle on veut se trouver. Donc ici, vous voyez, on a Vampire ou cette montagne russe. Donc là, je suis en mode pause. Et voilà, je suis sur l'autre montagne russe. Nous pouvons bien sûr changer le mode d'affichage en appuyant cette fois-ci sur la touche E. À chaque fois qu'on appuie sur la touche E, on change le mode d'affichage. Ceci est indiqué en bas à gauche de votre écran. On a ici 4 modes d'affichage disponibles. En mode Fly View, c'est en mode avion. On peut se déplacer dans la map en appuyant sur les touches W, S pour aller en arrière, ensuite D pour aller dans un sens ou dans l'autre avec la touche A. Ceci est comparable au jeu vidéo. Ensuite, si vous appuyez sur la touche Shift et W, vous allez beaucoup plus vite. Donc là, vous êtes en mode avion. En appuyant sur la touche Q, on revient au niveau du sol et on se déplace cette fois-ci en mode marche. Si par exemple on continue à appuyer sur la touche E du clavier et aller en mode fly by view, eh bien la caméra va suivre la voiture qui se déplace sur la montagne russe, et avec les touches W et SD, vous voyez, on peut se déplacer par rapport à la voiture, ce qui nous donne encore un autre point de vue, mais cette fois-ci, la caméra suit la voiture. Avec le mode cible, eh bien, on se déplace sur le train donc, qui est en mouvement. Alors, on peut bien sûr utiliser toujours les touches W, SD. Si par exemple je change de train en appuyant sur la touche T, vous voyez, je vais passer sur le deuxième train qui arrive en gare. Donc c'est à vous de tester ces différentes vues en appuyant donc toujours sur la touche E du clavier. Eh bien, on peut revenir donc dans les setups sous contrôle et voir ici donc ce que l'on vient d'expliquer, les différentes touches que l'on utilise. Alors, bien sûr, la touche Escape vous permet donc de sortir du programme. Alors ici, vous avez encore d'autres possibilités, c'est d'appuyer par exemple sur la barre d'espace pour faire un saut. Sur la touche X, vous allez vous accroupir. Et ici, vous voyez, vous pouvez accélérer ou diminuer en utilisant la touche Maje ou Contrôle. Là, vous pouvez effectuer un screenshot en appuyant sur la touche K. Et lorsque vous allez appuyer sur la touche O, vous allez pouvoir exporter une vidéo. Alors, regardez donc toutes les possibilités qui existent ici. Si vous avez fait le choix d'utiliser Steam pour acheter le jeu No Limit 2, on peut aller télécharger des exemples gratuitement en cliquant ici, vous voyez, sur la partie abonné, et à ce moment-là, vous allez le retrouver dans l'éditeur. Nous allons voir dans cette nouvelle vidéo sur No Limit 2, cette fois-ci, comment l'on peut créer un nouveau réseau ou une nouvelle montagne russe.
Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur l'icône éditeur pour entrer dans le mode éditeur. Ici, je peux faire OK. Alors regardons les différentes manipulations que l'on peut effectuer dans l'éditeur. Ici, vous voyez avec le bouton droit de la souris, je peux déplacer le plan 2D. Avec la molette de la souris, je peux faire un zoom. Vous voyez, je fais un zoom donc sur une grille que je peux afficher ici ou pas. Ici, on a le mode snap. Ça veut dire qu'on va snapper les points, par exemple, de la spline sur les différents points de la grille. Maintenant, là, on est en vue top. Alors, regardons, par exemple, en vue perspective. Là, je suis en vue right, vue perspective. Voilà ce que j'ai pour l'instant. Alors, on verra par la suite un peu mieux ce qui se passe en mode perspective. Maintenant, je vais commencer donc par faire la création d'une nouvelle map. Donc, je fais File, New. Et ici, vous définissez donc le chemin où vous voulez que votre map soit enregistrée. Et ici, le nom. Alors, je vais laisser New Park, et ici je vais changer et mettre un autre endroit. Ici j'ai un répertoire No Limit 2 Park. OK. On peut encore aller voir dans les préférences ici, donc sous File, préférences. Vous voyez que là, dans les préférences, on utilise un simple layout. Si par exemple, je me mettais en double layout gauche-droite et je fais OK, vous voyez qu'on a deux fenêtres qui sont donc ouvertes. Ça peut être pratique. On peut avoir par exemple une vue top ici et une vue perspective de ce côté. Alors, revenons dans une vue donc simple. Ensuite, ici, vous voyez la grille donc, qui est entre chaque élément de la grille, on a 1 mètre de distance. On vient donc de définir un nouveau parc. Maintenant, il faut définir une montagne russe. Donc, on va cliquer sur Coaster. On fait New Coaster. Et là, on donne un nom. Alors, je vais appeler ça Mi Coaster. Je fais OK. Ensuite, on peut déjà sauver notre travail. Donc, on va dans File, Save. On peut maintenant déjà faire un premier test de visualisation dans la partie Play, donc de ce simulateur de montagne russe. Donc je fais File, je fais sortir de l'éditeur, je fais donc ici Play, je vais chercher donc ma montagne que je suis en train de créer. C'est donc dans Récent, New Park. Je peux faire OK. Et voilà déjà la première chose que l'on obtient. Alors ici, vous voyez dans la fenêtre de message, on a une ligne qui est rouge, qui donc signifie que notre montagne russe n'a pas encore été créée. Alors je vais commencer à créer ma montagne russe. Donc pour cela, je vais aller dans Track. Ensuite, on fait Start Vertex. C'est donc le premier point qu'on va placer ici, par exemple. Vous voyez, on peut placer un deuxième point à cet endroit. Alors, j'aurais pu faire que ça soit snappé sur la grille ici. Voilà.
et je peux faire par exemple Select Modify pour sortir de la spline. Si maintenant j'utilise donc les deux vues, vous voyez qu'en mode de perspective, voilà notre première spline qui a été construite. Et vous pouvez déjà constater que ici, vous voyez, elle est extrêmement importante, grande. Alors, on peut par exemple modifier les points ici en prenant l'outil Select Modify. Ensuite, je peux prendre ce point et voyez, je peux donc modifier ma spline. Alors ici, avec trois vues, on voit encore mieux notre spline. Et vous voyez donc que la spline ici n'a absolument aucune hauteur. Car ici, en vue droite, on voit que les splines sont sur le même plan. Alors prenons par exemple ce point que je sélectionne, que je peux prendre à cet endroit et vous voyez le déplacer en hauteur, aussi en le snappant. Alors si on fait une erreur, on peut faire CTRL Z. Alors je peux par exemple ensuite rajouter des vertex, donc je sélectionne ce point, ensuite je fais Add Vertex, là je suis snappé et je vais me mettre ici pour faire un bout de segment droit. Ensuite vous voyez qu'on peut aussi insérer des vertex, il suffit de cliquer par exemple ici, ou bien là, ce qui va nous permettre de modifier plus facilement notre spline, car on a plus de points à disposition. Alors, j'ai modifié la spline et rajouté des vertex. Donc ici, vous voyez, j'ai donné de la hauteur. On voit bien dans la vue perspective. Maintenant, si je veux fermer ces deux points, il faut que j'en sélectionne un, que j'appuie sur la touche CTRL et je sélectionne le deuxième point. Et à ce moment-là, on peut faire ici Connect. Donc vous voyez, les points sont connectés. Alors voilà ce que l'on a pour l'instant. Alors si maintenant on veut obtenir un résultat dans la partie play, on va d'abord sur Coaster et ensuite on fait Freeze. Et là, vous voyez, on crée le track. Ensuite, je fais File, Save. Alors voilà ce que l'on obtient pour l'instant. Alors maintenant, il va falloir définir une zone où va se placer la station avec les petits véhicules. Alors, pour cela, on fait Add Type Séparateur. Et vous voyez, on met des petits séparateurs, par exemple, entre deux zones qui est relativement donc droite. Ensuite, je fais Select Modify pour modifier cette partie. Et je fais Section Type Lift, non, Station. Et vous voyez ici, on a donc une station qui a été créée entre ces deux points. On voit ici dans la vue 3D. Maintenant, on va devoir créer une section lift pour entraîner donc les wagons. Donc on pratique de la même façon, un type séparateur. Et je vais mettre un séparateur à cet endroit, ici. Voilà, je sélectionne cette partie et je dis que c'est la partie lift, la partie traction. Vous voyez qu'elle a changé de couleur et on doit faire une partie freinage de l'autre côté. Donc on pratique toujours de la même façon, Add Type. Et on va mettre un système de freinage à cet endroit en faisant section type break.
Maintenant, je vais dans Coster, je fais Freeze. Et là, j'ai toutes les parties qui ont été créées. Donc, j'ai la station, j'ai la partie lift et j'ai la partie freinage qui se trouve de l'autre côté. Alors, effectuons un test. Alors là, c'est pas tout à fait correct car on n'a pas mis assez de vitesse au wagon. Donc on va corriger. Dans cette nouvelle vidéo sur l'éditeur No Limit 2, nous allons continuer à créer notre première montagne russe. Alors, nous utilisons ce type de montagne russe. Donc là, j'ai reconstruit une montagne russe complètement. Donc, vous voyez, le principe est très simple. Donc, j'ai fait un réseau fermé de rails. Je fais un premier test. Alors là, vous constatez que l'on a incliné légèrement les rails dans les virages pour donner un peu plus de réalité à la montagne russe. Alors regardons comment on effectue cette transformation. On doit donc ajouter des rolls dans certains points donc du réseau. Alors, pour comprendre la notion de roll, j'ai créé ici un petit circuit, donc un peu identique à celui-là. Je vais fermer ce circuit et vous allez constater qu'au moment où je ferme le circuit, alors je sélectionne les deux points, touche contrôle, connect. Au moment où j'ai connecté les deux circuits, apparaît ici cet élément vert qui est en réalité un roll. Pour connaître les propriétés du roll, eh bien je vais dans View et je fais Show Panel Roll. De la même façon, je pourrais faire View Show Panel Vertex. Alors, par la même occasion, vous voyez, si je sélectionne ce point, je vois exactement où ce point se trouve situé sur le réseau avec les hauteurs correspondantes. Maintenant, si je sélectionne le roll, le point vert, vous voyez que ici j'ai les caractéristiques du roll. Ceci veut dire que je peux incliner soit à droite, soit à gauche d'un certain nombre de degrés. Alors là j'ai des presets, moins 1, moins 10 ou moins 45. Alors regardez ce qui se passe sur le rail ici. Au moment où je vais mettre moins 45, eh bien c'est tout le réseau qui est incliné de moins 45. Alors je fais moins 90 par exemple et je fais un test pour voir comment se comportent les rails. Alors pour cela je vais dans Coaster, je fais Freeze, ce qui me permet, vous voyez, de regarder comment est situé le rail. Je peux aller aussi en mode perspective, aller sur le réseau extérieur et là vous voyez donc comment est positionné le rail.
Si maintenant on désire avoir une inclinaison de 45 degrés sur cette portion qui démarre ici et qui va aller jusqu'ici par exemple, eh bien je vais devoir ajouter des points roll. Alors je commence par ajouter des points roll à cet endroit et à cet endroit. Ensuite, je vais mettre des valeurs de 45 degrés donc sur ce point et 45 degrés sur ce point. Donc là on voit, on a bien une inclinaison de 45 degrés de d'ici à ici. Alors je vous conseille peut-être de rajouter encore un point roll à cet endroit, car là on voit, il semble qu'on ait encore une déformation. Alors on peut rajouter un point ici pour rétablir l'inclinaison du rail. Donc il faut un petit peu jongler avec ces points roll. On peut aussi très bien les déplacer, vous voyez, en les sélectionnant, on peut les déplacer le long du rail. Là on a des choses assez intéressantes qui se créent. Donc ici on peut mettre un angle très précis, 23 degrés par exemple. Alors encore une autre façon de travailler pour corriger les rolls le long d'un réseau, donc, eh bien on peut travailler en mode track. Donc ici on se met en mode track et à ce moment-là, vous voyez, on se déplace bien sur le rail, ce qui va nous permettre éventuellement de faire des corrections de rôle à certains endroits. Alors par exemple, si je vais à cet endroit-là, eh bien peut-être que ça ne me convient pas. Alors je vais sélectionner ce rôle et je vais corriger ici. Donc l'orientation, alors forcément il va pas falloir se tromper de sens. Donc voilà, on peut donc corriger petit à petit en utilisant la vue track. Nous allons voir maintenant comment l'on peut rajouter des supports pour les rails. Alors je vais dans l'onglet support. Ici, vous voyez, on peut choisir des préfabs, c'est-à-dire des supports préfabriqués. Alors je fais utilisation de préfab. Et là, j'ai toute une librairie de préfab à disposition. Donc il suffit de choisir le préfab qui me convient. Alors prenons par exemple ce type de préfab, alors je le sélectionne et maintenant je peux additionner donc des préfabs en ayant donc cet onglet sélectionné et je clique à cet endroit, vous voyez, pour ajouter un préfab à cet endroit. Alors j'en rajoute quelques-uns et maintenant je vais aller en vue perspective. Là, on voit donc comment sont représentés donc les préfabs avec les socles au sol, les tiges et le lien sur le rail. Alors, si je fais un freeze, je vais pouvoir voir la création des préfabs et des supports. Voilà, donc on voit ici les supports qui ont été donc créés. Alors, on peut bien sûr déplacer un préfab le long d'un rail. Je peux bien sûr changer de forme de support. Alors je retourne dans choisir un préfab et je vais prendre peut-être ben voilà ce type et le rajouter donc à cet endroit. Voilà. Donc là, on voit que la famille des préfabs a changé.
Regardons maintenant comment on peut créer un support personnalisé. Alors je fais Select et Modifie. Je supprime celui-ci en faisant Delete. Et maintenant je vais créer à cet endroit un nouveau support. Alors je commence par mettre les socles. Add Footer. Je mets, voyez, deux socles de chaque côté du rail. Maintenant je dois mettre un connecteur sur le rail. Alors je vais connecter à cet endroit, donc là on voit la petite pastille rouge qui est venue s'intégrer. Et ensuite, si je fais Add Beam, je peux partir de cet endroit, aller à cet endroit, et de cet endroit à cet endroit. Et là, normalement, eh bien, j'ai créé un support personnalisé. Alors, je vais en perspective. Donc, on voit ici le support que l'on a créé, qui est donc celui-ci. Alors, je vais créer à cet endroit un autre rail personnalisé. Alors, première chose, un connecteur que je mets tout en haut ici. Ensuite, je vais mettre deux socles. Là et là, je vais dans support panel cette fois-ci et je vais choisir, vous voyez ici, le type de beam. Donc ici ce sont des pipes de 16. Alors je vais prendre exprès pour changer des box rectangulaires. Je fais close. Ensuite je fais add beam. Donc je pars de ici et je vais à cet endroit, là, add beam. Donc là on voit le support qu'on vient de créer, mais forcément il est beaucoup trop petit pour la structure. Alors on va changer ceci. Je vais choisir un beam plus important, 12 par 12. Donc là, on a les dimensions. Alors, on peut faire un test. Donc voilà, ici, une structure plus importante. Alors ici, vous voyez, j'ai utilisé pour cette grandeur de tubulure, ici, un custom beam de 0,8 m par 0,8 m. Donc vous voyez, on peut donc aussi donner des dimensions à notre profil. On peut encore renforcer notre support en créant ici des nœuds libres que l'on positionne par exemple à cet endroit. Ensuite, on va mettre un beam de là à là. Alors, add beam. Maintenant, on va encore rajouter, vous voyez, ce que j'appellerais des joints tout au long de ce beam ici, par exemple. Alors, je fais add flange, je sélectionne par exemple à cet endroit, vous voyez un point, un autre point ici, un point là et un point là, et je fais un rendu final. Donc là on voit le résultat final. Donc on a mis une barre entre les deux ici. Bon, elle n'est pas très bien positionnée, donc on pourrait retoucher ceci, et voyez ici on a rajouté des joints. Donc ce logiciel nous permet quand même de créer des structures assez intéressantes. Donc voilà ici un support qui a été corrigé. Alors pour faire la correction, j'ai tout simplement été en top, en vue top. Donc j'ai utilisé la vue top. Alors maintenant encore une petite chose, effectivement dans la vue ici, pour ajouter ces points, il faudra faire attention, ce ne sont pas des nœuds libres, mais des add beam nodes. Donc ce sont des nœuds que l'on peut positionner donc sur le beam qui monte ici. Si l'on veut par exemple colorier différemment les supports, eh bien on va pratiquer de la façon suivante. Donc je sélectionne ici le support que je veux colorier, je vais dans support,
support panel, et je vais dans le mode de couleur custom color, et je clique à cet endroit et je choisis la couleur qui me convient. Alors je vais faire la même chose pour cette partie. Et aussi pour la partie transversale. Alors si on désire faire une copie donc de ce support qu'on vient de créer, on peut sélectionner toutes les parties du support avec la touche CTRL. Y compris la jonction. Ensuite on fait définir une copie, et là si on fait add definite past, on clique à cet endroit, vous voyez, on a recréé donc exactement le même support. Pour terminer cette vidéo, on va encore regarder quelque chose. Ici, vous voyez, on a un type de rail et on a un type de véhicule. Alors, si l'on fait Unfreeze et qu'on fait Coaster Propriété, on peut choisir un autre style ici. Donc, on est sur ce style-là actuellement. Alors, on peut choisir un autre style, mais bien sûr, un style qui va quand même correspondre plus ou moins au même modèle. Alors, par exemple, ce modèle-là. On va l'utiliser. Le mode, bon, on garde ce mode d'opération. Le train, on n'a qu'un train. Ici, on a le nombre de véhicules donc dans ce train, donc 6 véhicules. Là, les couleurs, les scripts et les statistiques. Donc on fait OK, on relance un calcul et une simulation pour voir la différence. Donc là, vous voyez, on a quand même changé la forme du rail. Les supports correspondent toujours relativement bien. Donc tout est correct. Et on a aussi changé les véhicules. Donc on a pris d'autres types de véhicules. Donc on peut faire maintenant un test. Nous allons voir comment l'on peut générer notre premier terrain. Commençons par créer un nouveau parc. Je donne le nom de Mi First Terrain. Ensuite, je clique sur l'onglet Terrain Setting. Je vérifie que j'ai un layer avec de l'herbe dessus et je laisse donc tout ceci par défaut pour l'instant. Ensuite, je peux cliquer sur l'onglet Terrain générateur. Alors ici, nous avons la possibilité de générer un terrain. Là, nous allons donner la quantité d'eau que l'on veut voir apparaître sur le terrain, donc 5% par rapport au terrain. Ensuite, ici, on définit la hauteur maximum des montagnes. Donc, je vais mettre 50 mètres. Et pour l'instant, je laisse ceci par défaut. Je fais simplement générer pour avoir un aperçu en preview ici, donc du terrain qui va être créé.
Je peux de nouveau cliquer sur générer, vous voyez, pour générer plusieurs terrains. Alors, je choisis par exemple ce type de terrain. Ensuite, je peux faire OK. Et là, on a notre premier terrain qui a été construit. Regardons maintenant comment on peut modéliser le terrain en hauteur. Alors, pour cela, on a ici, vous voyez, une broche qui va nous permettre d'agir sur le terrain. C'est ici un marqueur. Donc, si je clique sur le terrain, vous voyez, j'obtiens un marqueur. Donc là, qui est extrêmement grand, qui va nous permettre justement d'agir sur le terrain. On peut changer la dimension donc du marqueur en agissant ici sur le nombre de points d'influence. Alors si je prends 1, vous voyez, on n'a qu'un petit point. Si je prends 4, on a une surface un peu plus petite. Alors maintenant, comment pratique-t-on? Eh bien, tout simplement, je clique et vous voyez, je peux avec la souris monter ou descendre et modifier donc le terrain. Maintenant, regardons l'influence ici. Si je viens par exemple à cet endroit, là je mets une influence des points entre eux à 0 et je refais un test ici. Vous voyez que j'obtiens carrément un triangle tout en haut. Par contre, si je vais complètement de l'autre côté, eh bien, j'obtiens une surface qui est beaucoup plus arrondie. Maintenant, je peux un peu agrandir, mettre 8 points. Voilà. Je peux aussi, par exemple, en cliquant ici sur 7 marqueurs, vous voyez, mettre ici un marqueur à cet endroit, un autre à cet endroit, et si maintenant je modifie un des deux, vous voyez que toutes les zones qui ont été identifiées par un marqueur réagissent. On peut à tout moment effacer les marqueurs en cliquant sur Clear Marker. On peut bien sûr mettre plusieurs marqueurs comme ça en peignant et faire une modification en faisant modifier marqueur de toute une surface. Donc là, on arrive au niveau de l'eau. Si par exemple, je positionne un marqueur à cet endroit et un autre un peu plus loin, et que je fais maintenant Select Rectangle, eh bien on voit qu'on sélectionne toute une zone qui maintenant que l'on peut donc modifier aisément. Si par exemple on positionne un marqueur à cet endroit, alors on va faire un marqueur un peu plus grand de 16. Ensuite, on va donc modifier ce marqueur, mais cette fois-ci en touchant la touche Alternate en même temps. Alors sans la touche Alternate, eh bien, on peut, vous voyez, faire monter le terrain. Maintenant, j'appuie sur la touche Alternate. On a un effet qui est différent. Vous voyez, avec ici des ruptures à cet endroit. En réalité, la touche Alternate nous permet de créer des plateaux. Sans la touche Alternate, j'ai un arrondi. On peut faire un lissage du terrain en cliquant sur Smooth Terrain. On peut à tout moment refaire un calcul du background en cliquant à cet endroit. Effectuons l'expérience suivante. Alors, j'agrandis ici
je clique à cet endroit et par exemple à cet endroit. Ensuite, je fais un rectangle. Je décide que la hauteur à cet endroit est de 1 mètre, par exemple. OK. Vous voyez que tout le terrain a été modélisé à 1 mètre. Alors, je fais un clear marker pour voir que ici j'ai créé un petit plateau à 1 mètre. Que je pourrais de nouveau donc modéliser plus bas en somme aussi pour faire un pont entre les deux zones d'eau. Si par exemple je mets une hauteur négative, moins 2 mètres, et ben voilà, j'ai créé donc une zone. Regardons comment l'on peut peindre le terrain avec plusieurs textures. Nous allons dans l'onglet terrain setting et nous allons changer ici les layers. Ici, on n'a qu'un layer. Alors, on fait par exemple un Load Setup et on peut choisir ici ce layer qui est beaucoup plus complexe et qui contient plusieurs matériaux. Vous voyez, on a de l'herbe, on a du rocher et différents types d'herbes. Alors, ici, on a tout est coché en AutoPaint. Alors, il faudra modifier donc cette partie. Alors, je vais faire ceci pour... cette partie, le gravel, je fais setting, je fais auto paint et je disable auto paint. Je désactive enable auto paint. Je fais OK. Vous voyez, je fais la même chose pour les différentes textures que je veux peindre sur le terrain. Donc ici, on n'a plus que l'herbe qui est en auto paint. On retrouve donc ici les différents layers. Alors pour pouvoir peindre sur le terrain, il faudra que la partie paint layer soit active. Alors ici, elle ne peut pas être active vu qu'on est en auto paint. Donc on choisit le rocher par exemple. À ce moment-là, le paint layer est actif. Je clique ici et au moment où je vais me déplacer donc avec la broche, ici, je vais pouvoir, donc vous voyez, changer donc la texture du terrain. Donc le principe est extrêmement simple. Il suffit maintenant simplement de changer ici la texture. Alors on peut mettre un autre type de verdure, d'herbe, vous voyez, un peu plus foncé. Si la texture ne vous convient pas, vous pouvez cliquer sur Substract Paint. Donc là, maintenant, vous allez de nouveau retrouver une autre texture. Si par exemple, maintenant, vous cliquez sur Applique Auto Paint, eh bien là, vous allez avoir tout le terrain qui va redevenir vert, donc va utiliser l'herbe AutoPaint. Alors vous pouvez toujours faire un CTRL Z pour revenir en arrière. Et ceci est bien utile. Si vous voulez peindre certaines parties avec la même herbe que AutoPaint, eh bien il va falloir retourner dans Terrain Setting et supprimer l'autopaint sur l'herbe. Donc on désactive et à ce moment-là, ceci nous permet de nouveau de peindre de l'herbe. Donc ici, paint layer, et là, vous voyez, je peux de nouveau peindre de l'herbe.
Lorsque l'on crée une nouvelle montagne russe, il faut faire aussi attention à quelque chose d'extrêmement important, et la vitesse à différents endroits de la montagne russe et au nombre de G que les spectateurs peuvent supporter. On a ici un outil qui est pratique, qui nous permet justement de calculer la vitesse le long de la raille. Speed combe. Vous voyez, ce sont ces normales aux rails qui sont en vert ici, qui symbolisent la vitesse. Donc plus les longueurs vertes sont longues, plus la vitesse est grande. Vous voyez ce qui est assez normal, par exemple ici, vous voyez que la vitesse diminue vu qu'on arrive en haut du rail pour ensuite redescendre et accélérer de nouveau. On a aussi ici un autre exemple. Donc là, on avait un moteur le long du rail pour tracter les véhicules qui les font monter. Ensuite, la vitesse reste constante vu que c'est la vitesse du rail due au moteur. Et ensuite, les wagons prennent de la vitesse par eux-mêmes. Vous voyez que la ligne verte augmente jusqu'à qu'elle redescende sur cette partie horizontale. Regardons justement comment l'on peut définir la vitesse sur cette partie de rail. Alors, je sélectionne, vous voyez donc cette partie en étant sur track. Donc, c'est toute la partie qui est en blanc actuellement. Ensuite, je vais dans les settings. Ici, on pourrait donner un nom donc à cette partie. Et la vitesse est définie à cet endroit. Alors, si par exemple, je mets 20 et que je fais OK, vous allez voir que les lignes vertes ont diminué. Maintenant, dans cette portion, vous voyez, on peut aussi définir le type de friction, soit des roues ou soit des moteurs linéaires. Ou bien, on ne voit pas du tout le moteur. Alors, je vais mettre, par exemple, des frictions. Et je fais OK. On peut aussi regarder le nombre de G qui est supporté par les véhicules, et plus exactement par les spectateurs. Alors, on va dans cette partie, on fait G-Force. Et là, vous voyez que la couleur change. On voit mieux ici avec la vue right comment les G sont appliqués. Les parties qui sont en rouge ici sont les parties excessives. Donc on peut modifier le point de la spline, vous voyez, et de modifier donc le nombre de G qui est appliqué à cet endroit. Là, c'est à peu près un bon compromis. Regardons maintenant comment a été créée cette partie ici, cette boucle. C'est un élément préfabriqué qui est utilisé. Alors, première chose, on peut voir ici avec l'icône Display supprimer des parties donc qui convient pas. Par exemple, pas de terrain. Voyez, on fait pas de terrain par exemple, on va faire pas de roll, pas de séparateur, pas d'additionnel point, pas de support non plus. Comme ceci, j'ai une vue beaucoup plus aérée qui va me permettre justement de rajouter cet élément qui se trouve ici, qui représente la boucle. Alors on retrouve ici, vous voyez, des éléments préfabriqués. On est donc dans la partie éléments, add éléments. Et là, dans la librairie,
Et là, on a quelques éléments qui sont préfabriqués. Nous allons voir par la suite, d'ailleurs, comment l'on peut créer son propre élément. Alors là, par exemple, ça c'est la boue que j'ai utilisée dans la montagne russe. Essayons maintenant d'utiliser cet élément-là. Donc, je sélectionne l'élément et je fais OK. Ensuite, ici, on donne le rayon de cet élément. On va laisser 3,8 mètres. On fait Next. On laisse ceci à 0. Le stretch, la même chose. Et là, on fait OK. Et vous voyez que l'élément, donc, a été créé à cet endroit. Alors, je sélectionne donc cette partie que je vais déplacer donc ici, par exemple. Ensuite, je sélectionne ce point. Je fais Split. La même chose ici. Split up. Ensuite, je prends cet élément que je passe comme ceci. Maintenant, je vais encore le tourner. Rotate. Vous voyez, pour que on ait le bon sens, donc une flèche, un rectangle, une flèche, un rectangle. Donc là, je redéplace. Et je vais, par exemple, sélectionner ce point maintenant. CTRL, Connect. Vous voyez ici les nombres de G. On fait la même chose ici. Connect. Et là, il va falloir qu'on corrige justement toute cette partie pour éviter ces G qui sont beaucoup trop importants. Alors, j'ai un peu triché. J'ai remis une boucle qui est la même boucle qu'il y avait avant de l'autre côté. Regardons maintenant comment on peut créer nos propres éléments. En cliquant donc sur New Formule, donc dans l'onglet Éléments, on ouvre ici un éditeur qui répond à certains critères de programmation. Et avec certaines formules, on arrive à créer des nouveaux éléments. Commençons par créer un élément extrêmement simple, une simple ligne droite. Alors, je définis ici une première variable longueur qui est égale à 10. Ensuite, sur la ligne suivante, je vais dire que x est égal à 0. Ensuite, y égale 0. Z égale t, qui est une notion de temps, multipliée par la longueur. À ce moment-là, vous voyez ici qu'il vient de se créer une première
Un premier élément donc est une ligne droite. On peut rajouter une nouvelle variable qui est le banking. Alors, l'abréviation de banking, la variable CB égale à 0,5 par exemple. Et là, on voit que l'on a justement un effet de banking sur la ligne droite. Alors, je vais agrandir, rallonger la ligne droite en mettant 40. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le petit calculateur qui se trouve ici ne travaille pas en degrés, mais en radians. Donc, si vous voulez transformer des degrés en radians, eh bien, vous pouvez utiliser la calculatrice de votre ordinateur. Alors, par exemple, ici, je vais mettre un angle de 45 degrés. Et vous voyez, en radians, ça fait 0,78. Donc, je peux mettre à cet endroit 0,78. Et à ce moment-là, vous voyez, j'obtiens ici une inclinaison de 45 degrés. Ensuite, il existe une notion supplémentaire qui est le vertical roll. Alors, la variable s'écrit vert roll égale 0. À ce moment-là, on n'a aucun vertical roll actif. Par contre, si on met une autre valeur que 0, on met par exemple 1. Regardez bien le rail. Vous voyez que le rail s'est inversé. On peut créer le rail à tout moment en cliquant sur ce bouton créer. Ensuite, je peux sélectionner tout l'élément et le déplacer comme je veux. Alors, je le mets comme ceci, par exemple. Je fais coaster freeze. Et là, vous voyez, j'ai créé donc le rail. Améliorons notre petit programme en rajoutant ici, à la place de la valeur de 0,78, une variable que je vais définir donc tout en haut. Alors, je vais appeler ça banking. Égale, eh bien, 0 pour l'instant. Et je remplace ici la valeur de 0,78 par cette nouvelle variable, donc banking. Donc là, vous voyez, il y a une information ready. Si par exemple je fais une erreur, je supprime par exemple ici la valeur. Vous voyez que ici on a une erreur dans la formule sur la ligne 7. Je fais ensuite la même chose avec une variable vrol qui est égale à 0 que je mets à cet endroit. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai rajouté ces variables. Car si l'on va ici dans ce qu'on appelle le wizard, eh bien vous voyez ici on a la variable longueur, banking et vrol qu'on pourra donc modifier au moment où on va créer notre nouvel élément. Je continue à modifier mon petit programme. Alors je désire maintenant avoir la possibilité d'agir sur la hauteur entre le point de départ ici et le point de fin de cette ligne droite. Eh bien je dois agir sur les coordonnées Y. Alors, je vais changer ici. Alors, première chose, je rajoute une variable hauteur. Égale 0 pour commencer. Ensuite, je vais ici mettre la variable temps multipliée par la hauteur. Alors si par exemple, vous voyez, je mets ici une hauteur de 10 ou 20 même, vous voyez que on monte de 20 mètres.
Alors maintenant, finissons par créer cet élément. Je vais dans Wizard. Alors, longueur, je passe cette variable longueur de l'autre côté. Je clique sur longueur. Je donne une description ici. Et je pourrais dire ici longueur du rail. Ensuite, je définis ici une valeur minimum. Alors, je vais mettre 1 mètre. Ici, on est dans les unités. Donc, 1 mètre. Ou on peut faire M converteur pour être en 1 mètre. Ensuite, maximum valeur. On va mettre 100 mètres, par exemple. Et la valeur par défaut, 1 mètre. Ensuite, on dit que l'on peut utiliser donc les valeurs décimales ou pas. Et là, on peut attribuer des valeurs à 0. Ensuite, on va faire la même chose avec le banking. Alors je marque ici inclinaison, angle d'inclinaison en radian et je mets des valeurs minimum et maximum ici. Je fais la même chose avec les autres variables. Pour la hauteur par exemple, je mets hauteur du point de fin. Alors je donne ici des valeurs aussi par défaut. Et puis pour le V-roll, donc ça sera le vertical roll, c'est soit 0 ou 1. Ensuite, je crée une capture d'écran. Ensuite, je redimensionne cette image. Alors là, j'utilise Photoshop. Alors l'image doit être de 256 pixels par 192 pixels. Je retourne ensuite dans le Wizard et vous voyez dans cette preview, eh bien, je vais mettre cette ligne droite que je viens de créer ici, Open. Donc maintenant, je peux faire. Alors ici, je pourrais mettre éventuellement un nom et je fais OK. Maintenant, il va falloir qu'on sauve donc ce travail à un endroit bien précis. Donc ici, j'ai créé un nouveau répertoire sur mon disque dur et je vais l'appeler donc ici ligne droite. Save. Ensuite, je peux fermer l'éditeur de formule. Je vais dans Add Element et je retrouve, vous voyez ici, la ligne droite que j'avais mis dans un répertoire. Je fais OK. À ce moment-là, on a les différentes informations. Alors, mettons 20 mètres de longueur. Angle d'inclinaison en radian, je vais mettre 0,7. 0,7. Hauteur de fin, on va mettre 10 mètres. Vertical roll, eh bien, on va pas mettre de vertical roll, donc on laisse 0, finish, et ensuite ici, on peut encore agir sur certains paramètres, donc sur l'échelle, et sur l'orientation, ou bien sur le miroir. Alors, pour l'instant, je fais OK, et là, vous voyez, je viens de créer, donc, le rail en ligne droite, avec une inclinaison. Maintenant, si je retourne dans New Formule, eh bien ici on va pouvoir créer encore quelque chose qu'on n'a pas vu précédemment, c'est des points de rôle. Alors par défaut, on a toujours deux points de rôle qui sont en réalité au début et à la fin de la ligne. Si je mets 4 par exemple et que je fais retourne, vous voyez que j'ai rajouté deux points de rôle à ces endroits. Donc je peux de nouveau tout resauver.
et recréer mon élément et là on a rajouté donc des points de rôle. Donc on peut agir, vous voyez, sur ces points. Améliorons notre formule en choisissant des degrés plutôt que des radians. Donc il va falloir que l'on fasse une conversion de radians en degrés, ou de degrés en radians plus exactement. Alors, si je prends un exemple, donc 45 degrés correspond à 0,78 en radians. Alors, je vais appliquer la formule. Donc, 45 degrés divisé par 180 égale et multiplié ensuite par le nombre pi égale 0,78. Donc, on retrouve cette formule à cet endroit. Les radians, c'est le banking, donc 0 divisé par 180 multiplié par le nombre pi. Donc ensuite, pour le B, la variable B, le banking, eh bien je mets la valeur en degrés que j'ai calculée sur cette ligne. Ensuite, je vais dans le visard et sous banking, eh bien je change et je dis que l'angle d'inclinaison est cette fois-ci en degrés. Et là, je vais mettre par exemple le maximum à bien 360 degrés par exemple et je fais OK. Ensuite, à ce moment-là, il faut tout sauver de nouveau. Pour que ça prenne bien effet. Alors on vérifie. Alors longueur 20. Angle en degrés 45, hauteur 5, vertical roll on laisse. Donc là on a bien le résultat escompté avec la rotation de 45 degrés ici. On peut encore modifier le banking le long donc du rail en fonction du temps. En rajoutant le temps sur cette ligne, on fait temps multiplié par les valeurs en degrés. Et là, si je mets un banking ici de 90, eh bien, vous constatez que l'on a ici un banking qui part de 0 jusqu'à 90 degrés. On peut encore améliorer notre petit programme en créant ces lignes de code qui se trouvent ici avec un switch. Donc ce switch va nous donner la possibilité soit d'avoir un banking qui est égal donc à la valeur qui se trouvera donc ici, ou bien un banking en fonction du temps tout au long du rail. Alors ici on définit donc une variable xx, et suivant l'état de cette variable, si elle est 0, eh bien on effectuera cette ligne de code. Et si elle est 1, on effectuera cette ligne de code ici. Donc ceci nous donne la possibilité supplémentaire de pouvoir donc créer soit un banking en fonction du temps ou bien simplement suivant une valeur fixée. Alors je mets ici un banking de 180. Non, je mets la longueur du rail de 50 mètres. L'inclinaison en degrés, eh bien 180 degrés. Next, hauteur 0. Vertical roll, je laisse à 0. Et ici, donc si j'ai un 1, j'ai une inclinaison progressive. Et si j'ai 0, j'ai pas d'inclinaison. Alors je mets 1, finish, OK. Et voilà, vous voyez, on a donc un banking progressivement le long de la ligne de 180 degrés. Si l'on regarde maintenant l'équation du cercle,
mais la paramétrisation cartésienne où on doit donc calculer x et y. Donc là, on a les formules que l'on doit utiliser. Alors, appliquons ces formules. Donc ici, on crée ce petit programme. Alors, on a la hauteur, le rayon, l'angle de 359 degrés. Donc on ferme ici le cercle. Ensuite ici, on calcule donc le radian avec cette formule qu'on a vue précédemment, mais cette fois-ci on multiplie cette formule par t, ce qui fait que l'on va donc développer le cercle. Ensuite on utilise donc les équations qu'on vient de voir précédemment avec le sinus et le cosinus. Alors ici, si je mets par exemple 180, voilà, j'ai un demi-cercle. Et là, je peux agir donc sur le rayon en mettant 20, par exemple. Alors maintenant, agissons sur la hauteur. Alors la hauteur est suivant l'axe des y. Alors ici, quand vous mettez un point virgule, vous voyez devant ces lignes, ceci est considéré comme un commentaire. Alors je supprime ici le point virgule et vous voyez que j'obtiens une hauteur en fonction du temps. Donc là, je suis à 0 mètres, je dirais, et là à 10 mètres, puisque j'ai 10 qui est ici défini. Mettons 20. Maintenant, je complique un peu plus l'équation. Je supprime cette ligne. Et je prends cette ligne ici, que je vais rajouter donc à cet endroit. Et voilà ce que l'on obtient. Voilà ici un autre exemple. Cette fois-ci, on crée un rail qui a une forme sinusoïdale et qui est plaqué au sol. Alors, simplement, x égale rayon fois le sinus radian. Alors, on joue ici sur le rayon. Si par exemple, je mets 360 degrés, ça correspond à une phase d'une sinusoïde. Si je double ici, je fais 720, j'aurai une répétition. Voilà, j'aurai deux courbes, en somme deux phases, la première et la seconde. Et là, on peut agir donc sur la longueur. Donc voici un autre exemple, une autre possibilité. Si maintenant j'inverse et je mets cette formule sur l'axe des y, donc la hauteur, eh bien on obtient la sinusoïde comme ceci. Elle n'est plus plaquée au sol. Maintenant, elle se déplace dans la hauteur. Si on veut, par exemple, obtenir une onde amortie, eh bien il suffit de mettre la variable temps sur l'axe des y. Je fais ici une capture d'écran en mettant les formules pour l'utiliser dans le preview. Alors maintenant, on peut construire une montagne russe à partir de ces éléments. Ils vont se rajouter automatiquement, vous voyez, à partir de ce point qui est ici un peu en blanc. Alors je fais add éléments, je choisis un cercle sinus. Alors un rayon de 10. Une hauteur de 20 mètres, un angle de 270. Et vous voyez, il s'est mis à la suite. Et pour finir, j'ai terminé un petit circuit
Bon, je ne suis pas rentré dans les détails. Il y a un peu des endroits où, disons, on aura des sauts assez brutaux. Mais enfin, c'est pour juste tester. Donc là, c'est vraiment brutal. Il faudrait rajouter des rolls. Nous allons voir maintenant comment l'on peut créer des aiguillages. Alors ici on a un exemple d'aiguillage. Plus exactement, on appelle ça ceci une fourche. Vous voyez, la fourche vient de tourner. Nous allons créer un exemple simple avec une station à deux voies. Alors je commence par aller dans les propriétés donc de la montagne russe. Je vais dans le style et je choisis par exemple, ce style-là pour commencer. Ensuite, je vais dans Track et je vais pouvoir commencer à créer un premier embranchement. Ensuite, je vais dans Éléments, je vais dans Spécial Track et je choisis Switch Track, que je positionne par exemple à cet endroit. Je peux le faire tourner en utilisant ici, vous voyez, la rotation. Je peux bien sûr aussi le déplacer, mais là il faut bien choisir donc les flèches qui se trouvent en dessous. Voilà. Alors je vais mettre ceci à cet endroit. Ensuite, je vais faire un lien entre là et là en faisant une connexion. Je continue. Maintenant, il va falloir choisir une fourche inverse.
Alors on va dans Spécial Track et cette fois-ci on choisit Merge. Alors vous constatez donc la symbolique ici, là on a la flèche et ici on a le rectangle. Donc ça doit toujours être comme ceci, autrement on ne peut pas faire de lien, on ne peut pas connecter. Alors je connecte cette partie et cette partie et je modélise de nouveau. Ensuite, je ferme la boucle et je fais donc encore quelques modifications en rajoutant une zone train avec des séparateurs. Je rajoute un deuxième train. Après quelques corrections, donc pour créer vraiment deux stations différentes, j'ai rajouté donc le rail ici, c'est un type transport. Donc c'est le type qui se trouve donc à cet endroit, section type transport. Donc ceci va nous permettre de tester donc les aiguillages sans devoir faire une montée lift et puis un système de freinage. Alors on peut faire un test de cette première montagne russe avec des aiguillages. Donc tout a l'air de fonctionner donc correctement. Alors regardons maintenant les propriétés de l'aiguillage. Je clique deux fois sur l'aiguillage, j'ouvre sa fenêtre de propriétés. Première chose, je vois que le track courant, c'est-à-dire où va partir le train, c'est le track 2. Donc si je fais 1 ici et que je fais OK, vous voyez, je commute sur la piste 1. Donc là, on peut définir par défaut quelle est la piste où l'on veut que le train démarre. Donc ici, on aura la même chose de l'autre côté. Maintenant, on a ici quelque chose qui est intéressant. C'est ici le style, donc la direction plus exactement. Alors si je change et je fais comme ceci, regardez ce qui se passe. Vous voyez, là j'ai donc une autre forme.
Si l'on revient donc sur les propriétés, on a ici des spéciales propriétés. Donc ici, première chose, on peut mettre un nom. Alors ce nom ici va être important car peut-être il sera utilisé lorsque l'on va faire de la programmation, du script. Et ici on a la rotation, alors on va mettre moins 90 pour avoir une rotation ici précise de l'aiguillage. Et ensuite on a ici le temps de commutation de 5 secondes. Alors continuons avec certains outils qui sont assez pratiques. Alors par exemple, vous voyez, si vous allez dans l'onglet coaster, vous pouvez déplacer donc tout votre votre montagne russe. Ici, si vous mettez par exemple mauve X, donc l'axe des X, vous voyez est représenté ici. Donc là on est dans le sens positif, ici dans le sens négatif. Là on a l'axe des Z, négatif vers le haut et positif vers le bas. Alors si je veux déplacer par exemple de moins 20 mètres mon parc, je fais applique. À chaque fois que j'applique, vous voyez, je déplace donc de moins 20 mètres. Alors bon, laissons donc à cet endroit la montagne russe. Maintenant je peux aussi faire une rotation de la montagne. Alors ici, eh bien, l'angle va être par exemple de 90 degrés. Donc vous voyez, par rapport au pivot, le pivot étant ici à cet endroit. Donc on a bien tourné de 90 degrés. Alors revenons dans l'autre sens, moins 90. On a aussi la possibilité de faire un miroir. Alors ici on choisit le sens du miroir. On peut regarder encore une autre notion. Alors je vais dans track. Ici par exemple je choisis de sélectionner tous ces points de la spline. Si je fais rendre droit, eh bien vous voyez, je crée donc une ligne droite donc entre ces deux points qui se trouvent ici. Alors si je sélectionne le rail de transport ici, donc section type, c'était du type transport, je peux maintenant, vous voyez, encore choisir le type de setting ici. Alors donc là bien sûr je pourrais donner un nom. Et là, vous voyez, je vais mettre une vitesse de 50 km/h donc sur cette partie-là. Je peux choisir le type de friction, donc de locomotion, soit un système de friction avec des roues ou bien des moteurs linéaires. Alors, regardez, si je suis sur friction wheel, je fais OK et que je fais un freeze, on va tout de suite voir la façon dont les rails sont construites. Donc là, on voit, alors peut-être en perspective, on va mieux se rendre compte. Alors là, on voit, donc on voit bien les roues ici qui font donc le système de traction sur le rail. Alors, on va changer ceci en un système donc différent. Cette fois-ci, j'utilise des moteurs linéaires. Voilà, on voit ici les moteurs linéaires. Alors, on peut faire un test. Et là, vous allez voir que ça va extrêmement aller vite, accélérer. Donc il va y avoir une accélération progressive. Là on arrive sur la portion des moteurs linéaires et on a une accélération jusqu'à une vitesse de 50 km/h. Alors bien sûr il faudrait mettre des zones de freinage. Regardons comment on peut ajouter des éléments préfabriqués. Alors je vais dans éléments, je fais add éléments, et là si je suis dans la librairie,
j'ai différents éléments qui sont à disposition. Alors je prends une ligne droite ici. OK. Je dis par exemple que cette ligne droite doit faire 20 mètres. Je fais OK. Et cette ligne droite, vous voyez, vient se coller donc à cet endroit qui est au 0, donc x, y et z 0. Alors je peux prendre cette portion de rail et aller la mettre par exemple à un autre endroit. Alors je vais la mettre là pour l'instant. Ensuite, pour pouvoir l'intégrer donc à ma montagne russe, je vais prendre par exemple ce point, je vais couper ce point, split. Je peux prendre donc ce point qui se trouve ici. Alors là, je ne vais pas pouvoir, vous voyez, connecter ces deux points. Donc je vais utiliser ici la fonction de rotation et faire tourner ensuite je vais pouvoir donc sélectionner ces deux points et les connecter. Alors ensuite il va falloir un peu modéliser, voilà, comme ceci par exemple. Donc ensuite en vue perspective on peut choisir donc tous ces points ici et les sortir du sol. Je reviens en vue top et je peux continuer en rajoutant un autre élément cette fois-ci. Par exemple, je vais rajouter un élément courbe de 10 mètres, 90 degrés. Alors, on peut mettre ici une hauteur de 2 mètres. Donc, voilà la portion. Donc, je la sélectionne, je la déplace. Alors maintenant on peut tester donc notre nouvelle montagne russe en vue track, ce qui nous permet de voir donc la stabilité des rails, l'orientation. N'oubliez pas qu'on peut mettre donc des rolls pour faire tourner le rail. Alors il faut aussi voir une chose qu'il faut connaître, c'est que pour passer d'un rail sur l'autre, par exemple sur l'autre voie, eh bien faut appuyer sur la touche A. Vous voyez, on change ici de rail. Là on est juste sur cette petite portion et là on est bloqué. Donc pour passer sur le rail principal, je rappuie sur la touche A et j'appuie en somme pour avancer sur la touche W ou bien S. Maintenant encore une chose, je peux faire ici un rendu donc sans faire un freeze. Ça c'est aussi assez intéressant. Alors je reviens au mode top et là maintenant je vais directement partir sur l'éditeur, donc le player, et là vous allez constater qu'on n'est plus du tout en mode normal mais en mode wireframe. Comment on peut utiliser un logiciel qui a été développé qui s'appelle Script Generator?
Vous trouvez le script générateur sur ce forum. Donc, c'est ce script qui se trouve ici. Alors, on remercie beaucoup l'auteur de ce script qui rend un grand service donc à la communauté. Alors ici, on a un exemple qu'on va justement reprendre. Et ici, vous avez la possibilité donc de télécharger le script générateur. Et vous avez ici une explication un peu plus détaillée qui se présente sous une autre forme. Alors, essayons de réaliser donc ce modèle qui se trouve ici, ce qui n'est pas tout à fait évident si on ne l'a pas vraiment pratiqué une fois. Alors, on va commencer par créer donc ce réseau. Et ici, il va falloir faire très attention à la façon de désigner donc les éléments de notre réseau. Je dois donc désigner toutes les parties donc du bloc de ce réseau. Alors ici, vous voyez, je me suis mis en mode bloc. Donc là, vous voyez, on a des blocs de couleurs différentes. Alors, première chose, on va sur la station. Ici, on a un bloc donc station. Donc ici, il faut bien désigner le nom de station. Ensuite, ici, on a le bloc lift. Alors, il faut aussi bien mettre le nom de lift à cet endroit. C'est très impératif. Ensuite, on retrouve ici un switch. On donne le nom du switch à cet endroit dans les propriétés. Après, on a encore de nouveau ici une zone break. Il ne faudra pas oublier de rendre cette variable, donc transport device enable. Ce qui veut dire que cette portion, en plus de faire l'option break, fait une option de déplacement des véhicules à la vitesse de 8 km/h, par exemple. Ensuite, on a une nouvelle zone qui se trouve ici, qui est de nouveau ici aussi un break. On coche donc cette variable. Après, on se retrouve sur un deuxième switch. On lui donne le nom de switch 2. Ici, on a de nouveau un troisième break qu'on appelle break 3. On n'oubliera pas aussi de cocher cette variable. Ensuite, on lance le script générateur. Donc, vous devez obtenir cette fenêtre. Alors là, vous allez mettre un nom à votre script. Alors, je l'appelle bloc script, tout simplement. Ensuite, je vais dans la partie basique. Et je vais définir donc toutes les parties, donc les blocs qui se trouvent sur mon réseau. Alors je commence par la station, donc qui se trouve ici. Donc ici vous mettez le nom du bloc, station. Vous choisissez ici le type de bloc dans cette liste. Ensuite on continue donc avec le deuxième bloc qui est le lift. Ici on choisit donc lift dans la liste de nouveau. Ensuite, on a le switch 1, qui est le switch qui se trouve ici. On lui donne la direction donc droite. On peut choisir donc la direction à cet endroit. On continue avec le break qui se trouve tout en haut ici. Et on met break 1 et on met le switch break. On choisit cette option de bloc. Ensuite, quand on redescend par ici, on arrive sur le bloc break 2 qui se trouve à cet endroit. Donc ici on met un backward break. Ensuite on arrive sur le switch, c'est le switch 2. Cette fois-ci on va mettre à gauche et on a un dernier break qui est tout en bas ici qui s'appelle break 3 et on choisit cette option de bloc. Ensuite il vous faut simplement cliquer sur générer, voyez, pour générer le script. Ensuite, on va devoir donc copier tout ce script qui se trouve ici. Alors, je fais un CTRL-A, CTRL-C, et je vais donc dans l'éditeur de script. Donc, c'est ici l'éditeur que j'utilise. Donc ici, vous avez déjà un nom qui a été préparé, blocscript.nlvm, et je fais un coller du script à cet endroit. J'oublie pas de sauver ce script en faisant enregistrer et maintenant je peux aller dans mon coster
dans la partie propriété, je vais ici dans la partie script et je copie le script donc que je viens de créer, je le mets donc à cet endroit. Alors bien sûr, il faudra mettre dans le bon dossier votre script, bloc script. Alors par exemple, je fais ici un remove, je fais add, script class, je choisis le bloc script donc dans mon répertoire ici, open, ok, et ensuite ok. Encore une chose qui est importante, c'est dans le mode ici, il faut vous mettre en mode scripted expérimental.